Dans ce cours, nous allons étudier les quatre derniers mouvements de la deuxième partie de la forme de la lance. Passer la lance et piquer en bas. On tire la lance à l'arrière et on la redresse. Position du demi-cavalier, barrer, rabattre et piquer. Avancer, barrer, rabattre et piquer devant. Bien. Barrer, rabattre et piquer. On refait. Barrer, rabattre et piquer en position du demi-cavalier. Tirez la lance et glissez le manche. La main gauche empoigne légèrement le manche et reste fixe. La main droite tire vers l'arrière, puis la main droite retourne le manche et amène la lance devant en hauteur. La main droite longe le bâton vers le bas, puis l'empoigne juste au-dessus de la pointe. Au même moment, on avance en position des pieds joints. Bien, je le fais une fois, regardez bien. Voyons, tirez la lance et glissez le manche. Pour la pratique de barrer, rabattre et piquer, on peut rajouter un poids à la pointe au niveau de la houppe pour travailler la force des bras et des poignets. On peut aussi pratiquer le mouvement à deux avec un attaquant et un défenseur, ou encore seul sur un tronc d'arbre ou une boucle de corde comme cible. Tirez la lance et glissez le manche. Lorsqu'on tire sur la lance, la main gauche ne doit pas bouger. Quand on fait glisser le manche, la main droite doit lisser le manche en direction de la pointe, de manière continue jusqu'au-dessus de la pointe. En même temps, on joint les pieds. Passez la lance et piquez en bas. La main gauche avance,
Empoigne le manche et glisse devant en suivant le manche. Ensuite, on avance le pied gauche. En même temps, on retourne la main droite. Puis, on lève le pied droit et on recule. On envoie rapidement la lance devant et on empoigne le bout du manche. On ouvre bien le bras gauche et le corps. Je le refais une fois, regardez bien. Passez la lance et piquez en bas. On tire la lance à l'arrière, on la redresse, on avance et on la fait passer vers le bas. Attention lors de l'exécution. Quand on fait glisser le manche, il faut sentir avec la main devant pour empoigner rapidement le bout du manche. Il arrive souvent que l'on laisse la lance s'échapper. Donc quand on arrive au bout du manche, il faut absolument bien le saisir. Il faut également faire attention au mouvement d'avant. Lorsqu'on envoie la lance, la main droite doit glisser ainsi, puis en suivant le manche, venir saisir ici. Quand on redescend la lance, la main gauche doit pousser la lance, ensuite on peut alors et seulement la faire glisser vers le bas. Bien, refais-le une fois. Traînez la lance et poussez de la paume en position de l'arc. La main gauche empoigne la lance, on avance le pied droit, on fait tournoyer la lance au-dessus de la tête, on avance la jambe gauche et on lève le genou droit. Puis on vient piquer devant et on recule. Ensuite, on ramène la lance en la traînant au sol, on plie les bras et on pousse avec la paume gauche en position de l'arc. Pratiquons ensemble, traîner la lance et pousser avec la paume en position de l'arc. Passez la lance et piquez en bas. Le piquage en bas demande beaucoup de pratique. Après que la main gauche a envoyé la lance devant, la main droite doit être stable en saisissant le manche avec force et précision. C'est très exigeant au niveau de la coordination. Traînez la lance et poussez avec la paume en position de l'arc. Ce mouvement est le dernier de la deuxième partie de la forme. Il doit être ample et fluide. On doit former un tout avec la lance. Ce mouvement est un bon exercice d'ouverture du corps. Zhao Yun est un célèbre général de la période des Trois Royaumes, de 220 à 280 après Jésus-Christ. Zhao Yun a passé toute sa vie à combattre à cheval. Il a participé à de nombreuses batailles, mais il n'a jamais perdu une seule fois. Par la suite, les gens le surnommèrent le général toujours victorieux. Il avait atteint un sommet dans la maîtrise de la lance. Zhao Yun, seul à cheval avec sa lance, réussit à sauver le fils de son seigneur au milieu d'une foule. Il tua des dizaines d'ennemis. Et lorsqu'il fut complètement encerclé, le cheval blanc qu'il montait était devenu rouge de sang. Ainsi, en Chine, Zhao Yun est devenu un modèle de fidélité et de courage.
Voici l'enchaînement des mouvements de secours. Regardons à présent l'ensemble des mouvements des deux premières parties de la forme. Avec ce cours, nous avons terminé l'étude de la deuxième partie de la forme de la lance. Nous devons pratiquer sans cesse. Au revoir.